Un cosplay sur le thème de Blanche-Neige ? Je crois que c'est la mauvaise actrice qui joue le nain. Ah, c'est mieux comme ça. Un tournoi de basket amical. On dirait que cette gnome n'a aucune chance. Tant pis pour la défense. Les bras longs de l'attaquante te laissent aucun espoir de victoire. Oh, c'est vraiment pas drôle. Ok, ok, t'énerve pas. Tu veux que je t'aide à lancer la balle dans le panier? Si je te soulève, ce sera beaucoup plus facile. Oh waouh! Appel à NBA! Peut-être qu'ils ont besoin d'une nouvelle joueuse? Faire du camping avec une pote, c'est une super idée. Voilà un excellent endroit où camper. Plante ta tente. Notre cocon est monté. On n'a plus qu'à installer des oreillers et des couvertures dedans pour que ce soit moelleux et cosy. On va maintenant manger un bout. Super, maintenant on peut se reposer. Une des filles a la chance de rentrer complètement dans la tente. Car celle avec des longues jambes va devoir accepter qu'elle dépasse de la tente. C'est pas grave, tant que les moustiques me piquent pas. Mais tu ferais mieux de perdre espoir tout de suite. Ah, oh, ça me démange! C'est l'inconvénient d'avoir des jambes de top modèle. Le kikurumi que j'ai commandé est enfin arrivé. Dépêche-toi, déplie-le. Oh, je vais être tellement à l'aise. Je vais aller l'essayer. Mais pourquoi c'est comme ça? Les manches sont trop longues. Et tu marches un peu sur le pantalon. Hé, hey, tu te noies dans ce pige ou quoi? Oh, il est trop grand, c'est trop dommage. Mais il existe toujours une solution. Tu peux faire plaisir à ta copine avec ce pyjama XXL. Oh, il est parfait sur elle. Quel petit lapin trop chou! Ça vaut même la peine de faire une petite séance photo. Une copine est contente et l'autre est déçue. Comment j'ai pu si mal choisir la taille? Et parfois, être grande, c'est super pratique. Comme ça veut dire que tu as de longs bras. Tu peux toucher le ciel et aussi attraper le PQ. Sans aucun souci! Il se passerait quoi si la fille la plus petite se retrouvait dans cette situation? T'as oublié le PQ sur l'évier? Oh, j'y crois pas! Bon, je fais quoi maintenant? Peut-être que je devrais essayer de l'attraper avec la pomme de douche? Oh, non! Maintenant, le rouleau est tombé au fond de la baignoire. Ton astuce n'a pas marché. Tu as besoin de l'aide de ta copine. Les filles petites rêvent d'avoir un partenaire qui est grand. C'est si beau et touchant! Comme dans ce film! Mais arrête de rêver, t'as encore du boulot à faire! Mais la fille grande est déjà une femme mature et forte. À ses côtés, les gars ont l'air si minuscules! C'est pour ça que tu dois prendre soin de lui, comme si c'était un enfant. C'est difficile de trouver un gars plus grand quand tu mesures déjà 1m80. Heureusement que la taille n'est pas un obstacle à l'amour. Pauvre bébé, t'es fatigué? Laisse-moi te porter. On dirait vraiment une maman et son bébé. C'est beaucoup plus amusant de faire du sport à deux, non? Vous pouvez vous entraider à faire des exercices. Mais il y a un petit problème. Des longueurs de jambes différentes? Et s'étirer en même temps qu'une copine avec de longues jambes, c'est pas très pratique. Elles sont tout simplement incompatibles. Désolée, mais le mur est plus pratique que toi. Ouais, l'amitié c'est important, mais faire de l'exercice aussi. Les différences de taille peuvent créer des problèmes encore plus importants. Comme par exemple dans les vidéos. Imagine avoir une fille très grande, interviewée par une journaliste très petite. Me parle pas de haut comme ça! La caméraman est confrontée à un dilemme compliqué. Soit la star de l'interview n'entre pas dans le champ, soit c'est la journaliste elle-même.
il ne reste qu'une seule solution. Demande à la grande fille de se rétrécir un peu. Parfait, reste en position de squat. Heureusement qu'on remarque rien à l'image. Super, maintenant on peut commencer à filmer. Pfiou, j'en peux plus! Mais quand t'es petite, t'as tes propres problèmes. Tu rentres à la maison avec des sacs de courses super lourds. T'enfiles tes pantoufles. Et maintenant, il faut que tu portes tes courses à l'étage. Hé, il traîne dans les escaliers. Mais elle est tellement petite qu'elle peut pas les soulever davantage. C'est pour ça que ses sacs en papier finissent par se déchirer. Et toutes les courses vont débouler les escaliers. Oh, épique fail! La fête a déjà commencé? Mais quelqu'un est en retard. Et voici la personne qui manquait. Ah, enfin! Tapement 5! Hey! Aou! Je crois qu'elle a raté son coup. Désolée, j'étais distraite. J'oublie tout le temps que t'es si petite. Pourquoi pas s'amuser un peu? Et si on mettait une valise ici? Et qu'on sautait par-dessus? C'est génial! Mais c'est pas dur du tout! On va rendre les choses un peu plus compliquées. Place la valise sur une boîte. Maintenant c'est mieux! Et bien plus dur! Les filles petites doivent franchir l'obstacle en levant les jambes très haut. Tandis que Miss Géante a juste à faire un petit saut. Bon, on va augmenter la difficulté. Place un paquet de papier toilette par-dessus. Maintenant, c'est plus aussi facile. Yes! Et si on ajoutait un étage de plus? Les filles petites vont forcément pas y arriver maintenant. Strike! Un mariage, c'est trop beau! La mariée est si petite, mais le mari est grand. Mais c'est pas ce qui compte, tant qu'ils sont amoureux. Il est donc temps de passer à la séance photo. Les invités s'alignent tous pour faire partie de la photo. Le photographe propose de faire quelque chose d'intéressant. Il classe les invités par taille. La taille, ça a pas d'importance après tout. Le cliché est génial! On va s'amuser un peu? Il y a certaines attractions où la taille est cruciale. Tu dois mesurer au moins cette taille. Waouh, une star du basket! Vas-y! Mais toi, tu peux pas y aller? Regarde, tu fais pas la taille requise. Non, non, et si? Reviens quand tu seras grande. C'est pas grave, je peux toujours faire des montagnes russes. Wouhou, c'est trop rapide! Bien que le tour de manège devra se faire à la maison devant la télé. Bah alors, au moins tu risques rien. Et maintenant, on va se préparer pour un rendez-vous. Le maquillage est fait, vaporise un peu de parfum sur toi, et maintenant tu t'habilles. Quel genre de robe je devrais porter? Celle-là? Ouh, génial! Mais pour les chaussures... Y'a que des talons hauts. Être grande et porter des talons, ça fait trop. Si je porte ces chaussures, mon rendez-vous passera toute la soirée sous mon aisselle. Non, c'est pas une option. Je dois appeler ma pote tout de suite. Et lui demander des chaussures plates. C'est pas génial l'amitié? Livraison de chaussures! Regarde ces baskets! Et des slip-on et des ballerines. T'as l'embarras du choix. Ces chaussures noires vont parfaitement avec ma robe. C'est bon, j'y vais. Ah, je crois que c'est tout pile parfait comme ça. On n'a presque pas de différence de taille. Tu as aimé nos sketchs sur les filles grandes et petites? Combien toi tu mesures? Dis-nous tout dans tes commentaires. Lâche ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne
et clique sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur les différences de style de vie sur TroomTroom.